Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du let's play de Tales of Arise. Donc peut-être let's play 33, je ne sais plus de tête. Donc là on est dans la zone interdite, pardon. On doit s'enfoncer encore plus dans la zone interdite. Et la dernière fois on avait vu l'hôtel où avait eu lieu, il y a 300 ans, hein, la cérémonie avec le souverain et la reine, hein, avec Alphen et Faria. Naori, pardon. Donc là, pas de coffre dans le coin. On se téléporte. Donc on va avancer dans la zone interdite. Non, il n'y a rien. La structure rappelle vraiment ce qu'il y avait dans l'encre. Ah, peut-être que la Reina Salma et la femme en rouge seront là, ouais, on sait jamais. Elle est stylée, sa tenue de souverain d'Alphen, hein. Et puis là, la tenue de la dame aussi pour Shion, du coup, elle est pas mal aussi. Alors, il utilise son emblème de souverain. Est-ce que la porte va s'ouvrir? Ah, le moment est venu de lever le voile sur ses mystères. Est-ce que ça va être la conclusion? On va voir ça. Alors, allez dans les profondeurs de la zone interdite, secteur top secret. Ah oui, là on a un halo, vous savez. Alors, je vais sauvegarder. Le halo qui nous permet de restaurer la jauge de PS et de PV. Donc là, on sait qu'on va avoir un combat de boss, hein. Dans tous les cas, ça sent le combat de boss. Ah, il y a Volran. Et la Reina Salma. D'accord, ils veulent peut-être faire une nouvelle cérémonie de canalisation spirituelle. Donc il y a un truc qui ne colle pas. Ah oui, il est vivant puisqu'il parle. D'accord, il n'est plus qu'un engrenage dans une machine. L'emblème de la dame. D'accord, cette chambre entière fait office de remplaçant pour la dame. D'accord, donc le but de la cérémonie, c'est d'aspirer toute l'énergie astrale de Dana, ok. Bah oui, pourquoi aspirer autant d'énergie astrale, effectivement, hein? Pourquoi? Dans quel but, hein? Ouais, c'est clair. Dans tous les cas, on peut pas les laisser voler l'énergie de Dana sans rien faire. Et on doit récupérer la Reina Salma. Ah, il y a la femme en rouge. Ah, mais il y en a plusieurs.
レナの支配者なのか? D'accord, donc là on va affronter trois femmes en rouge, même si pas vraiment des femmes. Hein. Alors, j'espère que ça passera les mystères après. Allez, la fin bonus. En fait, c'est comme trois boss, hein, parce qu'ils ont, elles ont toutes 4 segments de PV. Là, c'est comme si on affrontait trois boss, en fait, quoi. Avant d'en détruire une, déjà, il va prendre un petit peu de temps. Ah! Allez, mon arte mystique en collaboration avec Sword Art Online, avec Kirito et Asuna. Allez, régénération, cercle de soins. Faire attention à ces lasers violets qu'elles nous ont fait, là, les formes rouges. Hein. Alors, pour l'instant, j'ai presque enlevé un quart de PV à une des formes rouges. Allez, Rinoel. Allez, je prends une gelée de raisin. Kisara et l'eau, les frais bonus. On évite les rayons des ténèbres, hein. Allez, les frais bonus. Allez, l'eau et qui sera. Allez,
Donc là, ils ne bougent plus, ils ont l'air d'être affaiblis. Enfin, elles ont l'air d'être affaiblies. Ah oui, alors là, faut... j'avais complètement oublié. Il n'y a plus du tout de PS là. J'attends qu'on me ressuscite quand même. Je restaure encore un peu les PS. Par contre, j'ai pas beaucoup de gelée, hein, je suis en train de le dire. Voilà, là je suis régène. Alors les rayons des ténèbres, il faut vraiment les éviter, hein. Franchement au max. Là c'est vraiment compliqué. Hein. Allez, de la fois bonus là. Allez, on y est presque. Ah bah ils ont toute la marme. D'accord, en fait, il n'y a qu'une seule barre de PV. Ok. Elles ont toutes la même, même barre de PV en fait, ok. Ça sera plus facile que ce que je pensais. Voilà, faut vraiment éviter les... Ouais, alors l'Orient des Ténèbres, là, je me suis fait avoir. Je prends une fiole de résurrection, j'en ai pas mal. Je vais prendre une gelée aussi quand même. Gelée de raisin. Ah dommage, j'avais eu le cercle de soins, tant pis. Allez, on y est presque les amis là. Ah, il a failli m'avoir là. Allez, je prends une gelée de raisin. Faut que je restaure un peu les PS encore. Hein. Pour assurer la fin du combat. Ah,
Allez, logiquement, ça devrait aller là. Ça va le faire, ça va le faire. Allez, on lâche pas, on lâche pas. On enchaîne les artés. On enchaîne les artés. Allez, Rino, elle fera bonus. Allez, attaque combinée pour terminer. Ça y est, on a vaincu les trois femmes en rouge. Akiramero, kore ijou wa muimi da. Kondo koso kousan shita no ka. Ah d'accord, elles se sont faites exploser. Nani? やろう、目を覚ましやがった。どこかと思えば、ここを知っているのか。当然だ。俺のために作られたんだからな。だがそんなことはいい。それより貴様の首に用がある。この国の上でまだ俺が憎いのか。貴様は俺に傷をつけた王であろうとな。 Alors, est-ce qu'on va se rebattre contre Volran? Ah, bah apparemment, il peut se libérer. すべて誰かの思惑で与えられた地に過ぎないのに。しかもそれで同じ王のアルフェンを追い回したりして、支配者が聞いて呆れるぜ。さえずるな。王の力など得て当然のものを得たに過ぎ。どうかな。すでに我々は王とは支配者ではなく、特定の能力と役割を与えられたものの故障だと知っている。 他にもダナから、さらわれた者がいたと言った。ああ。何人だ。そして俺以外みんな死んだ。成功率の低さにもかかわらず、そうしたということは、どうしてもダナ人でなくてはならない理由があったということだ。そして、あの研究施設の記録、君とボールだ。300年の開きはあるが、記録上の扱いは 全く同じと言ってよかった。意味するところは明白だ。それってアルフェンみたいに連れ去られたってことなら、その前は。Ouais, Volran, ça va être un Danien alors du coup peut-être aussi. Dana, Doreda. Un esclave de Dana, pareil, ouais. Shigauka. Volran. Danasin,振りをして。 Ah, il y a la femme en rouge qui l'a arrêté. Donc il y a un maître sur Rena en fait, un maître qui commande la femme en rouge apparemment.
elle a emmené la Reina Salma. J'imagine que la Reina Salma en fait servait surtout à collecter l'énergie. Et que du coup Volaran a rempli son rôle hein. On pourrait peut-être pas se battre contre lui finalement. Ah que c'est beau, Alphen tend la main à... à Shion. On va prendre un élan et lui faire confiance et accepter sa main. Voilà, c'est comme les films hollywoodiens, voilà, le héros saute pour éviter l'explosion et tout. Et il le rattrape juste avant de tomber au bord du précipice. Et Volaran est dégoûté. Faudrait qu'il survive hein, déjà, Volaran. Mais peut-être qu'il survivra en fait. Hein. Ça, on verra peut-être un peu plus tard, on sait jamais. Enfin, il dit ça, mais là, apparemment, il va brûler, hein. Elles se sont enfuies avec la Reina Salma. Ouais, donc on va aller sur Reina. Leur maître se cacherait quelque part sur le sol de la patrie. Ouais. Oui, probablement qu'elles sont parties sur Reina. Hein. Allez, on va retourner au vaisseau. Donc retourner au Falnate, donc c'est le nom du vaisseau. Hein. Donc là on est au niveau 44 quasiment, sauf qu'il sera à niveau 33. Là c'était l'hôtel hein, où il y avait le piédestal où il y avait la Reina Salma hein, il y a 300 ans. Alors, je t'avouerai que je m'attendais pas à retrouver Volaran. Hein. C'est un personnage assez badass hein, franchement.
c'était un bon antagoniste. Après, je sais pas, est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il va nous poursuivre sur Ena? On ne sait pas. Donc du coup, on retourne à l'entrée de la zone interdite. Parce que là, j'ai regardé, mais je peux pas me téléporter, en fait. Hein. J'en profite. Comme ça, ça restaure les PV et les PS. Allez, on est plus très loin de l'objectif là. On est dans le couloir de maintenance. Alors il y a des mobs. Je ne sais pas si on va pouvoir les éviter. Ça va être compliqué. Il y en a pas mal. Ouais, là c'est compliqué. Bon, c'est pas grave. On va un petit peu leveler. On va en profiter. Allez, tout le monde mordant. Allez, Dualim et Alphen, la croix d'impact. D'ailleurs, j'ai pas gardé en termes de compétences. Ouais, j'ai des points un petit peu là. Alors, 435. Alors, Alphen, peut-être pas Alphen. Soit des compétences coûteuses hein, qui restent. Alors là, 885, là. Ah, revitalisation, c'est quoi ça? Arte de guérison avancée qui restaure les PV de tous les alliés. Et ça, c'est génial. Hop là. Ça, on prend. Alors, Dualim. Alors, il y a ça. Augmentation des dégâts critiques avec extension de bâton. Ça, c'est quoi? Augmentation de la jauge bonus après ennemi à terre. On va faire la jauge bonus, tiens. Rinwell 420, y a peut-être pas grand chose avec 420 à débloquer à ce niveau là. Alors l'eau 596, là il y a la réduction des conditions d'éveil, réduit le nombre d'attaques nécessaires pour activer l'éveil, très bien. Et Kisara, mobilité garde, permet d'être mobile pendant une garde, ouais. Allez, on continue. Ouais, faut faire le tour là du coup. Par contre, si j'ai l'impression qu'il y avait que comme mob là. Ah, d'ailleurs, la dernière fois, je crois que j'étais pas allé dans le petit. Ouais, j'avais un petit salle avec un objet à récupérer. Ah, attendez, je reviens juste un peu sur mes pas. Ici, je crois que j'étais pas allé. Voilà. Alors, il y a quoi à récupérer là? 21 000 gald en plus. 21 600 gald, là, c'est génial. J'ai bien fait d'y penser là.
ça pourra servir pour acheter des objets de soins ou des équipements. En même temps, quelque part, je suis pas surpris, ça me semble logique quand même. On doit aller sur Rena, hein, parce que c'est là d'où viennent les Réniens, les seigneurs Réniens et l'origine de du mal hein, qui ronge Dana. Donc ça me paraît logique que tout doit se régler à Rena quand même. Hein. Et du coup, franchement, le jeu il est dense. Rien que faire la première partie avec les 5 seigneurs sur Dana, ça prend déjà du temps. Là, après les Negis, en plus avant d'arriver sur les Negis, il y a des petits trucs à faire, voilà. Et après, Rena, il va y avoir un petit truc à faire aussi, donc ça fait un jeu assez complet, hein, et assez long en termes de durée de vie. Alors, petite scène. D'accord, donc les lumières sont toutes éteintes. Ah, Faria et Avakir. Avakir. Bouge la taka. Avakir, kara kita wa. Ah, d'accord, Avakir lui a raconté. Oboete inairashi. Yahari. Ayatsurare de tamadana. Tarunigas no kotomo kita wa. Et lui a expliqué pour Tarnigène hein, aussi son petit ami. Imi wa arumai. あなたはいつもそうやって。フィアリエ、その話は後だ。ティオ、レネイスが大変なんだ。それは見ればわかる。都市の機関機構に障害が発生したんだ。一部は過労死でまだ動いているが、復旧にもう少しかかる。君が対応しているのか。一級技工士の君が。それなら問題ないんじゃないの？住民の間で 不安が爆発しそうなんだ。これまでいつだって何かあれば王が布告を出してきたのに、いつまで経ってもそれがないところにこれだ。このままじゃ復旧より先に暴動が起きるかもしれない。おそらく王が何か告げることは二度とあるまい。なんだって？どういう意味なんだ？王とは 我々が思っていたような存在ではなかったということだ。おそらく存在しないと言った方がいいかもしれない。何を言い出すの？鋭度のあなたが王を否定するなんて一体。今は説明している時間がない。それよりこのレネギスの状態を何とか。オッケー。ここでじゃあアンペシエレネギス、ソンブレとタルモン。暴動を抑えるんだな。何か考えがあるのか？暴動ってのは 大体不満とか不安が引き起こすんだ。だから安心させてやるのが一番。つまり誰かが言って聞かせるって。あ、ウィドアリム。今このレネギスで一番上位にいるのは誰なんだ？セドアリム。レネギスは大官を置かず、王が直接統治している。そういう話でしたね。そうだ。 Allez, Doualim, fais ton devoir. Oh, これからどうなってしまうのか。 レネギスの全ての同胞に告げる。私はスルド、ティオハリムいるべきです。ティオハリム様だ。だが、なぜティオハリム様なんだ。 王は、それにスルドブリがはどうしたんだ。 王が対応できない状況にあるため、スルドの権限において私が代行している。 Ok, donc il va essayer de les rassurer.
都市の機関機能の一部に異常が発生しているが、すでに技師が対処しており、順次復旧する見込みだ。今、諸君はかつてない不安と恐怖の中にあることだ。だが忘れないでないか。ベネキスは、王やスルドによらず、まず諸君ら一人一人の連帯によって成り立っているのだ。我々が細かな違いにとらわれず、心と力を合わせれば、必ずそこにより大きな希望が生じることだ。私は諸君と共にある。追いかける者としてではなく、支え合う同胞の一人として、この困難を乗り越え、共に明日に踏み出すため、どうか力を貸してほしい。みんな、あなたの言葉で安心したみたい。大きな混乱は起きていないわ。しばらくはこれでしのげるだろう。さっきの話は本当なの？王がいないかもしれないって。まだ断定はできない。だが、おそらくそう考えて間違いあるまい。我々が信じてきた世界は、その実、まやかしに満ちていた。そんな。僕は信じるよ。禁漁でのことやフィアリエのこと、みんな筋が通ってる。でもアバキール、権威は私たちの秩序の基盤なのよ。私たちには上に立つ者が必要だわ。いるじゃないか、ここに。あなたが本気なの？今はまだなすべきことがある身だが、ことが済めば戻ってこよう。だが私は王ではない。君たちが知るような形の支配をするつもりもない。でもそれならどうするつもり？まだわからない。だがおそらくレネギスにも新しい時代が来ることになる。そこでは人が生まれや精霊術ではなく、さまざまなものによって認められるようになるだろう。例えば音楽のような。再会した時、あなたは変わらないと言ったけど、本当はとっくに変わっていたのね。ようやく私はあの人のタルニガスの死を受け入れられる気がする。君が戻るまではなんとかレネギスを持ちこたえさせる努力をするよ。頼む。Donc, la situation sur la Négis s'est apaisée. Ménancia, nos gens, ils peuvent voir leurs affaires. Mais, les gens de ici, il faut des guides. En plus, si vous êtes guide de la ville de Lénagin, c'est qu'il faut que vous vous mettez en sorte de vous mettre en sorte de vous.腹をくくったんだな。ありがたくも機会を得たからにはな。このテュオハリムイルルケリス、これより明日の聖者のために生きよう。昨日の死者のことは胸に留めつつ、支配者ではなく指導者として。君は時々難しいことを言う。どうやら当分あんたが暇になる日は来そうにないな。よし、船に戻ろう。レナに向かう。Allez, on doit retourner au vaisseau. On a des choses à régler sur Rena.
Alors, emblème obtenu pour Dualim, le chef des Réniens. Donc il a déjà quoi de débloquer, augmente la capacité maximale de la GIA d'une unité, donc ça c'est très bien. On trace pour retourner rapidement au vaisseau. La zone résidentielle 16. Donc là on retourne je crois au tout début hein, de l'Enegis. On a vu les zones dévastées. Ouais, zone d'embarquement, décollage. C'est ici. Écoutez les amis, là on est déjà 43 minutes de let's play, c'est pas mal. On va s'arrêter là et du coup on sait que la prochaine fois on doit se rendre sur Rena. La quête, la fin du voyage. Donc sans doute que notre dernier combat sera là-bas. Alors ça durera peut-être plus qu'un let's play, hein, je ne sais pas. Hein. Sauf si direct on arrive au combat final. Donc on verra bien, en tous les cas on sait qu'on arrive à la fin de l'aventure. Hein, vu que la quête principale ça s'appelle la fin du voyage. Donc voilà, là on se rapproche vraiment soit du dernier let's play ou des tout derniers let's play. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu ce petit combat contre la femme en rouge. On a retrouvé Volran aussi. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous, voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et du coup, en même temps, faire connaître la chaîne pour avoir plus de visibilité, pardon. Lâchez vos commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, du coup, pour Tales of Arise. Il y a aussi Shin Megami Tensei, hein, 5, hein, que je viens de commencer. Demon Slayer, je continue aussi, bien sûr. Donc voilà, quand même pas mal de jeux, beaucoup d'actu jeux vidéo sympas cet automne. Donc j'essaye de faire au max. Et il y aura d'autres jeux bien sûr par la suite. Écoutez, prenez soin de vous, jouez bien et je vous dis à bientôt. Ciao.